La cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2018, événement organisé par Blizzard Entertainment aux États-Unis, a été intéressante. La convention en elle-même est finie depuis le 3 novembre, mais certaines annonces pendant la cérémonie d'ouverture valent le coup d'en parler. On commence donc par Destiny 2. Blizzard a annoncé que le jeu est téléchargeable gratuitement sur PC dès maintenant, et ce jusqu'au 18 novembre 2018. Bonne nouvelle! Ceux parmi vous qui l'ont déjà sur PC auront des cadeaux bonus, sans plus de précision pour ces cadeaux. Si vous êtes nouveau joueur, vous devrez passer par la sécurité SMS Blizzard afin de prouver que vous êtes le titulaire du compte concerné, tout cela pour bénéficier de ce bonus. On continue avec StarCraft 2. Le jeu va maintenant passer en free-to-play à partir du 14 novembre 2018. Vous aurez ainsi accès à la campagne Wings of Liberty, et si vous l'avez déjà, vous recevrez Heirs of the Shorn. Qui plus est, vous aurez également accès à tous les commandants jusqu'au niveau 5 à l'échelle complète de rang de StarCraft 2, et vous ferez plus connaissance avec Mira Ann et Matt Horner autour de la mission coop Part and Parcel. Concernant maintenant le jeu Heroes of the Storm, Blizzard a dévoilé un nouveau personnage inédit créé spécialement pour le jeu, Orphea. Cette héroïne sera issue du Nexus. La jeune femme est visiblement connectée au Seigneur Corbeau et est décrite comme un assassin capable de se battre à mi-distance avec une certaine puissance. On poursuit avec World of Warcraft. Le mastodonte des MMORPG continue encore et toujours ses mises à jour et ajoute de nouveaux éléments. Durant la cérémonie d'ouverture, une cinématique Honneur perdu a été diffusée et poursuit l'histoire de l'extension Battle for Azeroth. Autre chose, la mise à jour Les Flots de la Vengeance se met tout doucement en place et proposera plusieurs quêtes annexes fort intéressantes pour le background du jeu. Pour World of Warcraft classique, le jeu fera son retour à l'été 2019 et Blizzard indique vouloir respecter la saveur qu'avait le jeu avant, tout en y ajoutant une technologie plus récente, notamment dans les serveurs. Tout le jeu original sera bien présent, ainsi que toutes les mises à jour jusqu'à la 1.12, les tambours de guerre. On continue avec Warcraft 3 Reforged. Blizzard va rééditer Warcraft 3 Reforged en 2019. Le jeu sera purement et simplement un remake. Vous aurez des fonctionnalités sociales et un matchmaking plus récent. Deux éditions sont prévues lors de la sortie du titre. Une édition standard au prix de 29,99€ et une édition Spoil of War au tarif de 39,99€ qui inclut des modèles pour 4 unités héroïques du soft, d'autres bonus y compris pour World of Warcraft avec une macabre monture chariot à viande et un dos de cartes 3ème guerre pour Hearthstone. Concernant Hearthstone d'ailleurs, la prochaine extension des jeux de Rastakhan arrivera le 4 décembre 2018 et aura 135 nouvelles cartes ainsi qu'un ensemble de nouvelles mécaniques de gameplay inédites. Les jeux de Rastakhan seront disponibles sur PC, Mac, tablette et sur smartphone, sous Windows, iOS et Android. Vous pourrez récolter des paquets liés à cette extension dans l'arène ou en acheter directement avec votre argent. Deux packs sont actuellement en précommande. Le pack du compétiteur avec à l'intérieur 17 paquets plus 2 doses de cartes, ça va cogner, au prix de 19,99€, et le pack de jeux de Rastakhan qui renferme 50 paquets plus le dos de cartes plus le héros chaman le roi Rastakhan au prix de 49,99€. On poursuit avec Overwatch. Un nouveau personnage jouable a été annoncé. Il s'agit de Ashe, 29ème héroïne du jeu. Elle est la leader du gang Deadlock, dont faisait partie McCree, et a sans doute entretenu bien plus qu'une simple relation amicale avec lui par le passé. Elle n'est pas seule car son fidèle robot Bob, B.O.B., pourra l'aider. Un nouveau court-métrage d'animation a été diffusé lors de la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2018, intitulé La Retrouvaille, revenant sur le personnage de McCree et où Ashe apparaît. Cette séquence présente aussi Echo, qui pourrait possiblement devenir un futur héros jouable d'Overwatch. Actuellement, aucune date n'a été dévoilée concernant l'arrivée d'Ashe dans le jeu. Et on finit par le jeu Diablo Immortal. Pas de nouvelles donc d'un éventuel Diablo 4, mais Blizzard a révélé Diablo Immortal, un MMORPG sur smartphone. Se plaçant entre Diablo 2 et Diablo 3, cet épisode appelé Immortal a pour objectif de combler les vides concernant Israël. Vous aurez au total 6 classes entièrement personnalisables. Le barbare, le croisé, le chasseur de démons, le moine, le nécromancien et le sorcier. Les développeurs prévoient au fur et à mesure du temps des arcs narratifs, des classes, des objets, mais également des défis à faire seul ou à plusieurs. Dans leur quête pour purifier Sanctuaire, les joueurs mèneront toutes sortes d'expéditions palpitantes, telles que des événements dynamiques à travers des zones publiques uniques et le pillage de donjons instanciés. Depuis le paisible hameau de Hortan, jusqu'à l'antique bibliothèque de Zoltincul, en passant par l'île luxuriante de Tourbefiel, les joueurs parcourront des zones familières ainsi que des recoins encore inexplorés de Sanctuaire. Blizzard a indiqué que les contrôles ont bien sûr été mis en place afin d'intégrer le tactile au mieux possible. Voilà pour les informations liées à la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2018. Alors les geeks, êtes-vous satisfait de ces annonces? Attendiez-vous une annonce particulière? Peut-être un Diablo 4? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Mike Play Mike. Salut!